Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolon Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de mettre le feu à des structures à Oliachery et à Corny Complex. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des jerrycans d'essence de Fortnite saison 7. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller à côté de Holy Hatchery, dans le garage comme vous le voyez dans le gameplay. À cet emplacement là, il y a une jerrycan d'essence. Donc vous prenez cette jerrycan et ensuite vous vous dirigez vers Holy Hatchery. Et là en fait vers les buissons, vous lancez votre bidon d'essence et vous tirez sur le bidon pour qu'il explose et que le feu se propage sur tous les buissons. Normalement, ça peut compter comme une structure. Si les buissons ne sont pas comptés comme des structures, c'est pas grave. Un peu plus loin dans la ville, derrière une maison jaune, il y a un autre bidon d'essence. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez le bidon d'essence, vous le collez près de la maison et là, vous tirez sur le bidon d'essence. Et là, logiquement, ça va cramer la maison. Donc là, c'est sûr et certain que ça fonctionnera parce que la maison a des structures. Et vous pouvez faire pareil près de la maison où il y a un terrain de foot. Là aussi, il y a un bidon d'essence juste à côté du barbecue. Donc vous faites pareil, vous lancez le jerrycan d'essence soit contre les buissons ou soit contre la maison. Ensuite, vous tirez, vous faites exploser le bidon d'essence et là, ça va cramer tous les alentours. Alors dans le défi, il est marqué qu'il faut le faire à Holy Hatchery et à Corny Complex. Alors je suis pas sûr qu'il faut le faire dans les deux emplacements obligatoirement. Mais si vous n'arrivez pas à terminer votre défi en cramant des structures à Holy Hatchery, dirigez-vous vers Corny Complex et faites la même chose. C'est pour ça qu'au début, je vous ai montré une carte avec tous les emplacements des jerrycans d'essence. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.